منذ البداية كانت عندنا رؤية واضحة وهدف واضح، استراتيجية بعيدة المدى، وعلنا على البرنامج الوطني لمحاربة داء السرطان. كان عندنا هدف رئيسي أساسي ووحيد دائما في صلب الموضوع هو المريض. Dès sa création en novembre 2005, la priorité de la Fondation est de préparer et d'élaborer un plan national de prévention et de contrôle du cancer. Premier défi, changer la perception de la maladie. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on n'osait même pas parler de cancer. On parlait de la maladie de Semmage, on parlait de l'ado. On n'osait même pas dire le mot cancer. On a élaboré un plan national de lutte contre le cancer. Et ce plan national de lutte contre le cancer 2010-2019 a été tracé de façon extraordinaire par toutes les équipes. Et donc, après, c'était plus simple parce qu'on savait où est-ce qu'on allait construire, on savait qu'est-ce qu'on allait former, on savait qu'est-ce que nous devions faire année après année. C'est-à-dire qu'avant, je traitais les malades avec rien et dans des conditions catastrophiques. Quand la princesse Leila Slima est venue pour la première fois pour faire l'état des lieux de la prise en charge du cancer au Maroc, elle est venue ici, elle est venue au service des matos. Je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là le changement qui allait arriver. Mettre le patient au cœur des actions entreprises, même dans les zones les plus reculées, principal objectif de la Fondation. Les efforts se concentrent sur la nécessité d'une couverture régionale pour favoriser le dépistage et le traitement précoce des cancers partout au Maroc. راهنات على سياسة القرب ووضعت على رأس أولوياتها في إطار الشراكة اللي كتجمعها مع وزارة الصحة ومع الجماعات المحلية أنها توفر مركز للأونكولوجيا ودار للحياة بكل جهة ومركز للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في كل إقليم في أفق سنة 2019 وانتقل العدد ديال المرضى اللي كيوصلوا للمراكز العلاج من 11000 الى 32000. En 10 ans, la fondation a construit, rénové et équipé des centres de soins et des hôpitaux dans tout le Maroc. Imagerie de pointe, appareils adaptés, équipement dernier cri pour une prise en charge des malades selon les standards internationaux. Je pense véritablement que la Fondation Leila Slima a complètement bouleversé la prise en charge du cancer au Maroc et l'une des révolutions majeures est de mettre à disposition dans les centres d'oncologie publique des médicaments anticancéreux innovants et coûteux pour des patients totalement démunis. Chaque année, 250 millions de dirhams sont mobilisés par la Fondation pour fournir aux patients des médicaments de dernière génération. Autre innovation, la création de structures d'hébergement des malades pendant la durée de leur traitement. Pour réduire les abandons de traitement à cause de l'éloignement, la Fondation a créé des maisons de vie situées à proximité des centres d'oncologie. 6 maisons de vie sont opérationnelles et 3 sont en préparation. Elles permettent aux patients de suivre leur traitement en toute sérénité. ولكن الحمد لله ملي جيت فهمت كلشي متوفر دابا عندي الامان ملي تندير الدواء تنحس راسي راه ناضي واخا داك العيا وداكشي الحمد لله راني بديت نتحسن l'espoir rendu possible grâce à un suivi personnalisé du patient soutien psychologique aide aux familles mais aussi soins esthétiques sont maintenant dispensés aux malades ils s'ajoutent à l'engagement des bénévoles qui aident à traverser ensemble et dans la dignité l'épreuve de la maladie والديا والمتطوعين حتى المريضين والاطباء تاعهم كيعاونونا نفسيا بعض المرات ما كنبقاش نبغي ما كنعيا ما كنبقاش نبغي ندير الدواء ولكن عاوتاني تيبقاو يقول لك لا خاصك تقاومي انت قربتي تسالي وهذه الحمد لله حنا صابرين حتى يحمى الربح ديالنا هو في الاخير هو ديك الابتسامه اللي كتخرج من الوجه ديال الطفل المريض دونك ملي كيجي كيبتسم راه واحد الابتسامه صادقه نابعه من القلب L'accompagnement du malade et de ses proches, un axe essentiel de l'action de la Fondation. Des soins palliatifs sont aujourd'hui dispensés à domicile. شفاء المرضى هو هدفنا الأساسي. هو أجمل هدية. لما كنزوروا المرضى
وكنشوفوا اطفال كيتشافوا كيستأنفوا الدراسه ديالهم او ام كترجع لابنائها او اب كيستأنف حياته الطبيعيه وكيتكفل بعائلته ما يمكنلكش تصور المشاعر والطاقه اللي كتشحننا بها هاد الزيارات. La fondation s'est aussi mobilisée auprès des enfants orphelins à cause du cancer pour assurer leur scolarité jusqu'à leur majorité. Autre levier de la stratégie mise en place, la prévention. Chaque année, des campagnes d'information d'envergure sont menées. Sur le terrain, le programme anti-tabac a impliqué les entreprises, mais aussi plus de 2400 collèges et lycées dans toutes les régions du Maroc. Un jeune à qui on évite la première cigarette, c'est un malade de cancer potentiel en moins. La Fondation a préféré faire de la prévention et surtout de la sensibilisation à travers une communication ciblée. Ce n'est pas seulement une action d'interdiction, ça ne marche pas, il faut convaincre. النتائج اللي حققناها كانت بفضل شراكة مثالية وتعبئة شاملة لجميع الأطراف المعنية من مجتمع مدني، من وزارات معنية، سلطات محلية، إعلام، شركات، مواطنين، أطباء، أطر، كلهم ضافر الجهود ديالهم في نفس الهدف. وهذه انفراد مغربي وخصوصية كنفتخروا بها في المغرب وهي اللي جعلتنا نحققوا هذه النتائج في ظرف وجيز. Une conviction de tous les instants, portée par la confiance des donateurs et l'assurance d'une gouvernance exemplaire. Les structures sont tout à fait transparentes, d'abord au sein de la Fondation. Et évidemment, sécurisent les donateurs qui sont conscients que la Fondation est gérée de façon extrêmement rigoureuse. Et les gens apprécient de voir que leur contribution arrive à destination et que les effets sont visibles. Et cette réussite, évidemment, a eu des échos au niveau de l'international, en Afrique en particulier. Un certain nombre d'amis nous ont demandé, effectivement, de faire en sorte que cette expérience puisse être dupliquée chez eux pour pouvoir, justement, offrir à leur population ce genre de service qui, jusqu'alors, est inaccessible. À ce jour, 8 pays du continent bénéficient de l'expertise de la Fondation. Mutualiser les compétences pour faire avancer les connaissances. La Fondation passe aujourd'hui un nouveau cap avec la création de l'Institut de recherche du cancer à Fès. La décision de créer l'Institut de recherche contre le cancer est arrivée avec la réflexion sur le développement et la restructuration de la recherche en cancérologie. Et donc cet institut, nous avons vraiment essayé de le bâtir pour qu'il soit un vrai support aux chercheurs marocains. Et surtout pour qu'on puisse avoir à disposition toutes les données nécessaires pour aider le patient marocain. J'admire cette fondation parce qu'ils ont fait un boulot énorme et parce que je vois que la souffrance des malades a nettement diminué. La première fois que je suis venu, Son Altesse m'avait demandé d'aller faire un tour dans les hôpitaux pour voir comment c'est. Les patients et les patientes qui me regardaient avaient un regard de tristesse et de désespoir qui m'a jamais quitté. Et j'ai vu ce regard changer avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et qui me marque toujours. حتى حاجة ما سهلة. واجهت المؤسسات عراقيل وصعوبات وتحديات. كان دموع، كان سهر، كان مشاكل، ولكن ولله الحمد كل هاد العراقيل والصعوبات تجاوزناها ورجعناها حوافز وطاقة للاستمرار والإصرار. Tous unis autour d'une cause, au service du bien-être du patient. Le programme de la Fondation multiplie les victoires. Dans les prochaines années, d'autres défis sont à venir. Le Maghreb a réalisé un progrès pour le Maghreb, et Dieu est le remercie. Dans le futur, nos projets et nos objectifs, tout est réalisé. Avec l'aide de tous, tout est possible.